Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très très bien. Aujourd'hui c'est dimanche, oui c'est dimanche, et il fait très beau, enfin en tout cas ici il fait très beau, hein. Bah oui, hier il a fait un temps catastrophique, hein, je dirais même très très pourri, hein, mais aujourd'hui il fait très beau, hein, il fait très beau. On est content. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui donc je n'ai pas d'anniversaire a priori, attendez, parce que je prends mon petit calepin, enfin petit, comment vous dire, si, il va exploser. Je n'ai pas d'anniversaire à souhaiter. Hein. Non, enfin, non. Et alors, donc, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous dit que c'est la Sainte Rosalie. Si, j'en ai une dans mon groupe. Si, j'ai une Rosalie. Si, il me semble que j'ai une Rosalie. Je suis même sûre que j'ai une Rosalie. Donc, j'en connais une pour une fois. Si, j'en connais une. Alors, et puis il y en a peut-être d'autres, et puis je me rappelle plus comme ça, là. Non, mais je ne connais pas tous par cœur. Hein. Bah non, pas encore. Non. Et puis, c'est sûr, j'y arriverai pas. Hein. Bah, j'arrivais déjà pas à retenir un poème à l'école, alors c'est pas pour retenir tous vos noms, prénoms, âges, professions et tout le bastringue. Non, ça va pas être possible. Mais je fais de mon mieux, vous savez. Si, je fais de mon mieux. Alors donc, bonne fête à toutes les Rosalies. Alors les Rosalies, vous savez que c'est aussi une voiture. Si, c'est les petites voitures là à pédales. Hein? Si, si, c'est les petites voitures à pédales. Si, c'est très drôle de faire de la Rosalie. Si. Et puis c'est aussi une chanson. Ah si, Carlos. Rosalie, 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 Rosalie. Hein? Mais qu'est-ce que tu bois, doudou, dis donc, doudou, à moi, d'où toi donc. Moi, je sais. Donc voilà, un bonne fête à toutes les Rosalies, que ce soit les personnes, les voitures ou les chansons. Je sais, c'est n'importe quoi, comme d'habitude. Alors, je préviens, aujourd'hui c'est dimanche. Vous savez que le dimanche, hein, déjà que c'est pas facile les autres jours, mais alors le dimanche c'est pire. Si, c'est pire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a Victor Hugo. J'adore Victor Hugo, moi. Ah si, c'est mon pote. Moi, j'adore Victor Hugo. Et alors, il dit un truc très très joli, très très beau, très vrai, très vrai. Il dit, et puis, ça commence comme ça, et puis, non, pas le puits, vous savez, où on récupère de l'eau, non, et ET, puis, puis, hein, après, ensuite, si, alors puis, il y a ceux que l'on croise, que l'on connaît à peine, qui vous disent un mot, une phrase, vous accordent une minute, une demi-heure, et changent le cours de votre vie. Si, bah oui. C'est ce que je pense pour vous. Voilà, je vous remercie d'être là chaque jour pour moi. Je vous fais tout plein de gros bisous. Si, c'est très beau. Et puis, il y a ceux que l'on croise, que l'on connaît à peine, qui vous disent un mot, une phrase, vous accordent une minute, une demi-heure et changent le cours de votre vie. C'est de Victor Hugo, c'est magnifique. Voilà. Et du coup, j'ai mis un joli papillon, une magnifique découpe qu'on m'avait envoyée. Voilà. Si, c'est très beau, c'est très beau, c'est très beau. Si, c'est très beau. Alors voilà. Aujourd'hui, on va ouvrir du courrier, vous savez. Si on va ouvrir, je ne sais pas si vous savez, mais on va ouvrir du courrier. Voilà. Et demain, c'est un autre jour. Si demain, c'est un autre jour. Demain, c'est lundi. 1-1-1-1 dans mon lit. 1-1-1-1-1. M'a dormi. Ou envie de pipi. Allez, on va ouvrir du courrier. Et puis, je vous lancerai un petit défi. Ah, bah si. Ah, j'ai le droit, vous savez. Alors, pour ce faire. Hop là! Alors, ça c'est la même personne. Si c'est une personne, mais c'est une personne qui m'envoie trois enveloppes. Si, c'est une folle. Donc pour résumer, si c'est une folle. Alors donc on y va comme ceci et sont numérotés. Donc moi je les ai. Et puis alors vous avez vu, c'est du plus petit au plus grand. Si il y avait le petit, le moyen et le grand. Si il y avait trois enveloppes de plus en plus grandes. Et alors on va sans numéroter, premier, deuxième, troisième. Si on a l'impression de jouer aux chiffres et aux lettres, vous savez, première, deuxième, troisième. Oh, si, j'aimais bien moi ça, les chiffres et les lettres. J'étais nulle, mais j'aimais bien. Si, j'aimais bien. Ça existe toujours, je crois. Si. Je regarde plus évidemment, mais parce que voilà quoi. Alors donc, pour ce faire, je vais ouvrir la première et ça me vient de. Je ne sais plus, je ne sais plus. Françoise, si Françoise. Donc nous allons ouvrir son petit courrier, tout petit petit, hein, bah, bien sûr, hein, c'est ça. Alors, hop là, pour ce faire, je me munis de mon outil. Alors pourquoi trois, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi trois. Une serait suffit, tu sais. Si. Oh, c'est beau. Oula, 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 oula. C'est très joli. Hein. Oula là. Oh, c'est beau. Hein. Oh,
Parce que j'ai vu ça, c'est magnifique. Ça, c'est du crochet. Elle fait du crochet. Hein. C'est très beau. Hein. Alors, oh là là, bah dis donc, hein. Ouh là là, c'est beau ce que tu as fait. Oh là là. Alors, ça, c'est des sketchs. Si, c'est la réalisation du sketch. Genre, je ne sais pas si elle a écrit dedans. Je regarde déjà. Ah oui, il y a des écritures. Il y a des écritures. Il y a des mots. Si, il y a des mots. Elle avait les mots. Alors, donc, ça, c'est la réalisation d'un des sketchs. Alors, je vais zoomer un tout petit peu pour que vous voyez plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi, c'est ça. Ça, c'est les bronzés font du ski, vous savez. Elle chante à un moment plus près de toi. Alors, celui-ci, c'est. Alors, faut que j'arrête de. Si, il faut que j'arrête de les chercher à chaque fois parce que, en fait, arrivé à un moment, j'avais dit que je ne pourrais plus le faire parce qu'il y en a. Bah, ça, quand même, il y en a quand même pas mal. Puis, vous voyez, je trouve pas en plus. Et puis, en plus, voilà, je ne trouve pas, je ne trouve pas. Donc, je les montrerai. Non, parce que je les garde, c'est un souvenir, mais. Voilà, là, vous avez compris quoi. Si. Alors, donc ça c'était un des sketchs. Et donc elle a fait, c'est des patouilles à l'encre aquarellable hein, sur des papiers aquarellables, n'est-ce pas? Hein, c'est ça. C'est très joli, très très joli. Hein. Voilà, elle a mis le sentiment merci du fond du cœur. Elle a maté, bah, voilà quoi. Elle a fait un sketch quoi. Il est très très beau. Voilà, j'aime beaucoup ça. Et puis donc à l'intérieur, donc elle a fait une petite pochette comme ceci avec une découpe et puis elle y a mis un petit, c'était tout mignon. Elle a fait un, c'est quoi ça? FM? Je connais pas. Ah non, c'est ses initiales. Alors, si Françoise, bah si, c'est ses initiales. Elle a signé. Non, je crois que c'était un nouveau format. Bah si, parce que comme je connais pas tout, je crois que c'est un nouveau format de création. Et donc c'est un petit tag, vous voyez, avec tout ce que j'aime. Si les papillons, les marguerites, les cœurs, la tisane, le croissant du matin et le petit mug. Si. Si, on a le droit. Si, on a le droit. Bisous. Et oui, merde, bisous. Si. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était un sketch qui est très très joli avec l'oiseau là, les stickers là, les stickers, ils sont sublimes, hein. Ils sont super jolis, l'oiseau, il est magnifique. C'est très très beau. Et puis les petits cœurs, les a posés en 3D là, ça rend bien aussi, hein, vous voyez, c'est très joli, très très beau. Alors, je vois que elle m'en a fait quand même beaucoup, hein, elle m'a fait tous les sketchs, elle est adorable, c'est mignon, c'est trop gentil parce que je les garde, bah si je les garde. Les gardes, je les collectionne vos sketchs. Si. Alors, donc, hop là. Donc, ça, mais je vais, bah si, je vais les ouvrir, hein, parce qu'à l'intérieur, il y a des petites choses ainsi. Hein. Alors, celui-ci, ah, si, je me souviens très très bien, l'accumulation des trois cœurs avec les plumes, là, c'est joli, c'est tout mignon, mignon aussi. Voilà, et puis, qu'est-ce qu'elle a mis, un sentiment? Donner un sourire ne coûte rien et donne beaucoup à celui qui le reçoit. Ah si, ah, c'était tout mignon. Si, c'est tellement vrai. Et alors à l'intérieur, elle a mis Amicale douce pensée, voilà. Et puis elle a collé des fleurs, le chat. Elle est belle la découpe de son chat, elle est magnifique. Si. Et alors une caresse pour Robouillet Joy. On a tout à fait le droit. François Né dit Fanfan, tout à fait le droit. Tout à fait le droit. Mais oui, tu as le droit. Mais oui. C'était trop mignon. Donc voilà. Hein, deuxième sketch. Si. Mais c'est bien hein, ce qu'elle m'avait envoyé. Françoise, Fanfan, Fanfan, m'a envoyé un message en me disant j'ai fait de mon mieux, tout ça. Si, et il faut pas. C'est très très joli ce que vous faites, hein. Si, mais ah, ça c'est le sketch avec les trois petits sacs, regardez, c'était tout mignon. Si, elle a fait trois petits sacs différents avec du tissu, sûrement les, vous savez, les petits tissus qu'on achète chez Action, là, en lot, là. Eh bien, elle s'en est servie pour faire des petits sacs comme ça avec les petites anses en dentelle, en sequin. C'est trop chouette. Hein. Merci pour tout. Et puis, elle a mis. Oh, tu c'est mignon. Petit chat, là. Ouais, c'était trop mignon. Non, voilà, c'est trop sympa. Trop sympa, trop sympa. Adorable. Et à l'intérieur, elle a mis une plume et elle a signé. Voilà. Très, très joli. Françoise Meunier, plus la date. Ouais, c'est très très mignon. Hein, les petits. Et puis en plus, on peut mettre des choses dedans. Si, on peut mettre des choses. Si. Ah, c'est trop bien. Trop trop bien. Ouais, c'est bien parce que ça l'histoire des sketchs là, bah, ça inspire quand même. Si, ça vous inspire, moi je trouve. Hein. Bon, si, c'est joli ce que vous faites. Moi j'adore, j'adore, j'adore. Hein. Alors j'en vois passer plein hein, sur les scrapeurs du cœur. Je les vois passer. Il y en a qui me les envoyaient en mail. Oh, c'est beau. Ah, très belle interprétation. Ça aussi, c'était un sketch.
C'est quoi ça? Premier à ouvrir. Ah ben c'est trop tard. C'est trop tard. Non, c'est trop tard. Alors, ça c'est aussi un des sketchs. Hein. Il est super beau. Voilà, ça fait un peu. Ben, ça fait pas un peu, ça fait beaucoup marin. Hein. On dirait des fonds marins avec des coraux et tout, des coquillages. C'est trop joli. Et puis le bouquet de fleurs comme ça. Et puis je sais pas comment elle a fait. Ah, si, peut-être du glitter, des glitters, des paillettes glitter, vous savez, 3D là. Et donc, elle a fait bien, comme s'il y avait un peu de sable ou de. C'est super sympa l'interprétation là de fond marin. C'est très joli. Hein. Très, très joli. Alors, avec à l'intérieur le phare, la découpe de phare. Si. Je ne sais plus la date. On s'en fiche. On s'en fiche de la date. C'est pas grave. Je ne sais plus la date. Parce qu'elle a dû les faire et puis. Ouais, tu les fais le jour même. Hein, quand je fais le. Si tu les fais les jours même, je pourrais te le dire. Hein. Que je les ai là, tu vois, par exemple celui-ci, je crois que je mets les dates dessus. Celui-là, ah, tiens, c'est celui-là, voilà, celui-là, c'est celui-là. Vous voyez? Super, c'est joli, hein? Ouais, très joli. Et donc ça, c'était le 7 juillet. Oh, oh, ça passe vite, hein? On est déjà en septembre. Vous vous rendez compte? Non, vous vous rendez compte? Si, vous vous rendez compte. Alors le temps des secrets, chut, à ouvrir, merci. Ah, ah bon? Le temps des secrets? Hein? C'est. Si, ça me fait peur. J'aime pas hein, les secrets, moi. Non, j'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Pareil que ne rien dire, ce n'est pas mentir. Non. Bah non. On n'est pas obligé de tout dire, vous savez. C'est ça. Et non. Alors, je vais lire mon petit mot parce que peut-être ce n'est que pour moi. Ce n'est pas pour les abonnés. Ce n'est que pour les enfants. Ce n'est que pour moi. Si, ce n'est que pour moi. Ça m'a. Joli ça. Oh là là, ça me plaît beaucoup. Alors je vais dire mon petit mot, hein, qui n'est pas un petit mot d'ailleurs, qui est un grand mot, hein, n'est-ce pas? C'est ça. Donc elle a fait une carte sur un cardstock orange comme ça, avec la petite machine à écrire, le sentiment Hello, hein. Et puis il y a des papillons, des cœurs, des très très jolis, du thé, des gourmandises. C'est ça. Oh, c'est très gentil. Oui. En dernier, d'accord. D'accord. Oh, on s'en fiche de ça. Ben oui, oh, c'était tout mignon, c'est gentil. Oh. Ah oui, ça va être dur. Oh là 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 là. Ah oui. Là là, oh, je ne voudrais pas être à ta place. Non, 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 parce que quand nos animaux ils sont en fin de vie, c'est dur, c'est dur. Oh là là, oh là là, j'ose même pas y penser. Non, j'ose même pas y penser parce que non, ça va être la déprime totale. Là, ça va être horrible. Non. Alors, je te souhaite vraiment de tout mon cœur, tout plein de courage, même si on sait que il faut que quand ils souffrent, hein, quand ils souffrent et puis que c'est la fin, c'est la fin. On sait que c'est pour leur bien qu'ils partent, mais c'est tellement, c'est nos enfants, c'est nos bébés, c'est nous. Ils ont tellement partagé de choses avec nous. Ils partagent tellement, tellement, ils nous donnent tellement. Puis une présence tout le temps, mais ils ne me quittent pas. Voilà, enfin, oh. Ouais, bon, hein, d'accord, t'as compris l'horreur. Sinon. Alors voilà. Oh, et donc elle fait du crochet. Non mais attendez, attendez, parce que là c'est peut-être un peu trop zoomé du coup. Non. Elle fait du crochet, c'est trop magnifique. Ah! Oh, c'est beau, mais c'est joli, mais c'est joli. Oh, oh là là, c'est très très joli, hein. C'est un marque-page. Ouais, ben moi il va marquer. Oh, c'est trop beau, mais regardez comme c'est beau. C'est un marque-page, vous voyez. Bah, j'ai pas de livre là sous la main, bien sûr, parce qu'il est vers mon lit, le livre. Mais admettons, non, j'ai pas de livre. Mais regardez, c'est un marque-page, quoi. Vous mettez le papillon à la page où vous en êtes, et puis ça, vous le laissez à l'extérieur. Puis voilà. Hein?
C'est super joli. Oh, oh là là, c'est trop beau, c'est trop beau. Oh, il est magnifique, magnifique. Mais t'es trop doué, hein. C'est beau, hein. Moi, je ne sais pas faire ça. Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais c'est très, 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 très joli, hein. Je sais faire, vous savez, le crochet de base, là, un petit napperon, voilà, ça va. Mais tout le reste et tout ça, non, je ne sais pas, je ne sais pas. Enfin, j'ai jamais essayé, en vérité, j'ai jamais essayé. Mais c'est tellement magnifique. Je pense qu'il faut quand même être patient, puis il faut bien voir, non? Hein? Non, je sais pas. Faut compter, si, mais faut savoir compter. Moi, je ne sais pas compter. C'est rien, c'est rien. Il est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est trop beau. Trop, trop beau. Alors, ouais, bah, je suis toujours émerveillée de ce que vous faites, toujours, toujours. Alors ça, c'est le deuxième. Si, c'est le deuxième. Donc, voilà, voilà, les petits stickers, c'était tout mignon, les petits lapins, là. Les petits lapins et le renard. Si, c'était deux amis. Ah non, trois, pardon, j'ai pas vu le troisième. Non, je n'avais pas vu le troisième. Je ne sais pas ce que c'est, le troisième. Non, ils sont en train de faire la sieste, là, sous un arbre, hein, à l'ombre d'un oranger. C'est ça. Ah ben c'est ces trois-là, si, c'est les trois compères, si, ils sont là. Ils sont là au bord de l'eau, ils pêchent. Ah ben c'est fatigant hein, de pêcher. Ah, c'est très fatigant de pêcher. C'est ça. Voilà. Alors donc ouvrons, hein, Fanfan. Fanfan. Fanfan la tulipe. Allez. Alors. J'espère que. Je vais rien abîmer. Non, je fais super attention. Parce que là, elle m'a dit qu'il fallait que je fasse. Elle m'avait envoyé un message comme quoi il fallait que je fasse très, très, très attention à ça. De ne pas couper quelque chose. Alors, je ferai très, très attention. Bien sûr, je fais toujours très attention de toute façon à vos choses. Hein. C'est pas nouveau, ça, mais. C'est pas nouveau, mais. Je vais mettre tout ça là-dedans, comme ceci. Si, bah si, c'est des enveloppes gigognes. Ce sont des enveloppes gigognes. Hein. Si. Alors, pour ce faire, je vais mettre ça là. Si. Alors, troisième. Ah, attendez, il y a un ordre aussi là. Ah, mais si, mais c'est compliqué, hein. Ah, c'est très compliqué. Si, c'est très compliqué. Il faut avoir bac plus 10 pour ouvrir tes enveloppes, Fanfan. Si, puis tu sais, moi, je suis pas très forte. Hein. Non, je ne suis pas très forte. Oh, elle est magnifique, ta patouille. Oh, elle est belle. Ouh, loulou, qu'elle est belle. Ah, je ne sais pas comment elle l'a fait. Je ne sais pas. Mais c'est texturé. C'est sur le papier aquarellable noir, hein, je pense. C'est le papier aquarellable noir. Et regardez-moi ça, si c'est très, très, très joli. Hein. Je ne sais pas comment elle l'a fait. Je ne sais pas. C'est très joli. Hein. C'est magnifique, magnifique, magnifique. C'est bien réussi. Peut-être elle me l'explique quelque part. Je l'adore, elle est très belle. Oh, elle est magnifique. Alors, donc, deuxième. Ça doit être le premier. Ensuite, deuxième. Si, c'est un jeu hein. Pour les scrapidous, c'est marqué là. C'est pour les bébés. Les bébés. Ouais, c'est cela, oui. Non, soyez pas fâchés. J'ai dit ça, c'est parce que bébé, c'était tout mignon. Hein. Parce que moi, mon petit chien, c'est mon bébé. Mais pourtant, il a 8 ans. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Alors, c'est pour les petits scrapidous et les scrapidous. Si, c'est marqué dessus. Alors, pour ce faire. Qu'est-ce qu'on va parce que mercredi, ah ben je vous ai laissé le mercredi là, je vous ai laissé tranquille, mais c'est fini ça. Ah, c'est fini, on reprend là, c'est la rentrée. Maintenant c'est bon, hein. Ah, merci, mercredi on va faire des choses. Mercredi on va faire des choses. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a mis, Fanfan? Alors, pour ce faire, oh là là, t'étais tout mignon. C'est des gommes ça? Si, c'est des gommes. Eraser en anglais ça veut dire gomme, si, effaceur quoi. Si. Donc, des jolies gommes avec des smileys comme ceci. Voilà, c'était tout mignon. Ensuite, nous avons des petits stickers. Tout mignon, mignon. Si, tout mignon, mignon. Voilà, de toutes sortes, de toutes sortes. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, on a des choses. Oh là là. Des stickers sur le thème de la campagne. Hein. Si, la campagne, la ferme et tout ça. Les animaux de la ferme, la campagne. Ouais, c'était tout mignon. Et puis, ça, c'est sur le thème des licornes. Hein. Si, c'est sur le thème de la licorne. Voilà, c'était tout mignon. Tu es très gentil. Je vais mettre ceci. Alors, je vais le remettre dans l'enveloppe, comme ça. Hein. Et puis, je vais mettre rayon enfant. Si, j'ai un rayon enfant maintenant. J'ai un rayon enfant. Je ne vous dis pas, c'est un vrai magasin chez moi. Si. Il y a le rayon bonbon, le rayon enfant, le rayon. Si. Si. C'est le délire. C'est le délire. Et là, non, qu'est-ce qui a marqué?
Oh, il y a la fleur, la marguerite, le cœur, le papillon, juste du plaisir. C'était tout mignon. Alors, pour se faire, hop, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop c'est bon ça. C'est, oh, il est beau aussi. Oh, la vache, oh, c'est trop beau. C'est trop beau aussi. Mon truc en plume. Il y a quelque chose dedans? Ah, je regarde, j'ai le droit, vous savez. Si je regarde. Non, ça va, c'est nickel. C'est nickel. Ah, je sais. Je suis une grande malade, vous savez. Si. Alors, donc, pour ce faire, trop beau. Il est magnifique, vous avez vu, hein? Et c'est sexy, hein? Waouh, sexy, sexy, sexy. Un bleu comme ça, un tout bleu ciel comme ça, non, je crois pas que j'ai. Non. J'en ai tellement que. Alors, donc, pour ce faire. Oula! Oula, 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 tira, lilo, si vous avez compris quoi. Alors, donc ça, il est sublime. Hein. Il y a la marguerite et tout aussi. Le papillon, le cœur. Il est beau ton cœur. Si, magnifique. C'est trop beau. Alors, donc, on a dit que tu étais le SM 82. 83, ça y est, je commence à dire n'importe quoi. Ça a à peine commencé. La journée va être longue. 83. Alors, je ne sais pas pourquoi je le marque là, hein, parce que c'est le brouillon. Alors, donc, SM 83. Non, bouge pas. Alors, 83. Hop là. Il est magnifique, sublime. Donc, là, je vais te pendre. Hein. Si, je vais te pendre avec le linge. Nous avons un nouveau HHH. Si, nous avons un nouveau HHH. Alors. Je ne sais pas qui va être le 200e. Hein. Si, je ne sais pas. Non. Parce que là, c'est le 199. 199. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte que j'ai 199 mains pendues derrière moi? 199. C'est un truc de fou. Il est magnifique. Avec le petit chat qui tient les ballons, il s'envole avec les ballons. Si, il s'envole avec les ballons. Elle a fait ses lignes de main et tout. Si, la ligne de cœur, la ligne de vie, la ligne de tout ça. Si, la ligne d'argent. Si, il est beau. Et puis le charme et tout, regardez, c'est magnifique avec les plumes assorties comme au slibard. Si, si, si. Elle a verni ses ongles et tout. C'est la classe. Hein. Si, 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 c'est trop beau. Voilà, trop, trop beau. Le 17 août. Le 17 août, c'est la date de laquelle tu l'as fait. Mais de toute façon, t'es déjà. Je crois que t'es déjà. Ben, je crois. T'es déjà rentré dans le groupe, je crois. Il me semble hein, que je t'ai déjà envoyé le lien. Mais tu me diras de toute façon. Hein, parce que récemment, là, j'ai fait un peu de. J'ai regardé un petit peu tout ça, là. Si, si, j'ai regardé un petit peu tout ça. Ah, si. Alors, tu es donc HHH 199. Si. 100. 99. Oh, si. Je ne sais pas qui va faire le 200e. Ça m'intrigue. Donc je vais te pendre hein, derrière moi. Si je vais te pendre. Parce que les mains, c'est derrière. Et les slips et les pieds, c'est devant. Si. Ah si, toujours les pieds devant. Toujours, toujours. Il faut toujours mettre les pieds devant. Si. Et donc on a. Oh, il est magnifique. Il est trop beau son petit pied. 37 fillettes. N'importe quoi, c'est ça. Ah bah ouais, mais t'as un petit pied. Tu as un petit pied. Si, tu as un petit pied. Il est trop beau. Magnifique, magnifique, magnifique. Oh, le petit charme avec les cœurs, les perles. Il est trop beau. Puis elle m'a fait ça en dur avec la semelle et tout le bastringue. Si, tout est bien. La classe, quoi. Si, c'est la classe. Je l'ai marqué. Ah oui, je l'ai marqué. Je crois que j'avais oublié de marquer. Et donc, voilà, m'a fait une super claquette avec les coutures, les effets coutures. Voilà, les ouais, enfin, ça, là. Les sang, les. Voilà. Hein? Si. Et donc, une jolie rose, vous voyez, où elle a mis des paillettes aux extrémités. Je pense que c'est elle qui a rajouté des effets pailletés autour. Le petit ruban satiné Love. Si, trop beau, des petites strass et tout. Bonheur avec le cœur. Super joli. Super, super, super joli. Alors, donc, super. Trop bien. Donc, tu es le PTP. PTP 76. Donc, je note parce que sinon, je vais oublier. Parce que
Ce qui est bien, c'est que comme mes abonnés sont très fidèles et qu'ils me suivent vraiment et regardent tout ce que je fais parce que je fais plein de bêtises, donc ils me surveillent. Si, ils me surveillent, si, si, ils ont raison, hein, parce que je fais plein de bêtises. Et donc, l'autre jour, elle m'a dit, mais t'as oublié de marquer le numéro sur le slibard ou sur le pied, je me rappelais plus. Je me rappelle plus, je crois que c'était sur le slibard, j'avais oublié de noter le numéro. Et grâce à elle, eh ben, hop, j'ai rattrapé l'erreur. Hein. Donc c'est pour ça, surveillez-moi. C'est ça. Donc, tu es le matricule. SM 83, HHH 199, PTP 76, fanfan. Hein, tu notes, tu notes. Si, et donc, je vais te pendre avec tout le monde. Et puis, c'est tout. Je te pends, je te pends, je te pends. Voici. Donc, on est très content. Si, on est très, très content. À 200. Ah, si, 200, 200 bientôt. Hein, incessamment sous peu. Très, très incessamment sous peu. Oh, c'est joli, ça. Ça, c'est du serviettage. C'est une jolie serviette. Il y a quelqu'un qui me l'avait envoyée. Celle-là, je ne l'ai toujours pas utilisée. Je la garde pour l'instant. Si. Arrêter le temps, hein. Ouais, ça dépend, hein, ça dépend. Arrêter le temps, ouais, pour les bonnes choses, hein, mais sinon, faut que ça passe, faut que ça passe, faut que ça passe le temps. C'est arrêter le temps, hein. Comment vous dire? Voilà. Elle m'a fait une jolie pochette comme ça, on dirait presque une pochette de tourne-disque. Si, 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 moi, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais en tout cas, ça me fait penser à une pochette de tourne-disque. J'ai le droit, vous savez, si, j'ai le droit. Elle fait serviettage au vernicole, je pense. Au vernicole, et puis donc elle a fait une découpe comme ça au ciseau cranteur. Et puis elle a mis, voilà, comme il y a les marguerites, elle a mis les petits papillons. C'est trop mignon, trop mignon. Et donc, qu'est-ce qu'elle a mis dedans? Des cœurs, bah oui, des cœurs, il y a les cœurs. Et c'est une carte d'où? C'est d'où t'habites? Hein? D'où t'habites? D'où t'habites? Gérard Mer, je pense que c'est là qu'elle habite. Là où je suis née. Ah, c'est où tu es née. Si. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Dormi, quoi qu'est-ce, quoi ce qui coince. Dormi, quoi qu'est-ce, quoi qui coince. Être né quelque part. Il y a des choses coupées, si, je sais que tu vas me dire. Non, mais tu as le droit. Mais non, c'est très bien, c'est très joli. C'était tout mignon. Bisous à toute la famille. Voilà, c'est très joli, hein, Gérard Mer. Si, c'est très beau, très très beau. Donc voilà, il est très content. Je regarde, il est droit, vous savez. Si, je regarde. Je regarde si. Ah non, c'est une. Ah non, elle l'a fait en carte. Oh là là. Non, mais. Vous savez, hein, faut que je comprenne tout. Des fois, c'est pas facile pour moi. Non, ben non, j'ai un petit cerveau. C'est ça. En fait, j'avais pas osé l'ouvrir. Non, j'avais peur de l'abîmer. Je crois que c'est une pochette. Mais en fait, non, c'est une jolie carte. Regardez comme c'est très beau. C'est très joli, hein. Hein, j'ai eu peur de l'abîmer. J'ai eu peur, si vous voulez que je vous dise. Donc, elle a fait une super belle pochette là aussi, hein. Pareil avec la serviettage. Voilà, super. Il est magnifique ce chaton. Il est magnifique, hein. C'est un kitty. Si, un chaton, c'est Kitty en anglais. Alors, bah, Hello Kitty. Vous voyez, c'est si, un petit chaton. Alors. Elle a fait un joli cœur en feutrine comme ça, pareil, hein, coupé au ciseau. Le chat qui dort sur le pouf, hein, c'est pouf pouf. Si, c'est pouf pouf. Son nom, c'est pouf pouf. Si. Les fleurs, la chaise, le rocking chair. Hein. Enfin, je ne sais pas s'il est cher, mais c'est hein, un rocking pas cher. C'est n'importe quoi. C'est comme d'habitude. Si. Doux chaton. Sweetie, c'est doux. Sweet, c'est doux. Doux, la douceur. Si, une douceur de chaton. Je suis très contente, c'est très mignon, très très mignon, très très mignon. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, pour ce faire. Et enfin, le dernier. Enfin, enfin. Si, parce que c'est des folles que je voulais que je vous dise. Alors, vous savez à quoi ça me fait penser? Alors, je ne sais pas ce qu'elle a fait, bien évidemment, je ne peux pas deviner comme ça. Mais quand même, parce que je suis curieuse, vous savez, regardez ces ronds. Et je me suis dit, elle fait du crochet et tout ça. Si, je me suis dit. Comme elle fait du crochet patati patalaire, qu'il faut que je fasse attention parce que c'est fragile. Je me suis dit, ça se trouve, elle a fait un capteur de rêve avec du crochet, en faisant du crochet. Si, je pense, peut-être c'est ça. Si, peut-être c'est ça. Donc, on va regarder immédiatement tout de suite. Je suis très pressée de savoir. Si. Maintenant, mais c'est rond. C'est rond. Et puis, vous savez, c'est comme là, je sens un peu savez, comme le truc à broder, là. Les machins à broder, là. Les cercles, là, pour broder. Alors, là, je sens, là, ici, là. Si. Alors, je pense qu'elle a fait un truc au crochet, ça doit être très beau, hein, je suis sûre. Il a marqué, merci gentil facteur de faire attention, bonne journée. Oh, c'était tout mignon. Et oui, encore le Père Noël en avance, gentil factrice. Oui, parce que la factrice, l'autre jour, elle m'a dit, c'est toujours Noël, c'est tous les jours Noël chez vous. Si, elle m'a dit ça. Mais elle est super gentille, ma factrice, elle est adorable.
tout le temps, puis elle m'appelle si je suis pas là et tout ça, elle me téléphone, elle me dit j'ai des colis. Si, viens, j'ai des colis. Viens, viens, viens chercher tes colis, lis. Donc voilà. Donc allons, on y va, on regarde. Allez, alors je ne sais pas comment faire. J'ai peur, si j'ai très très peur. Alors, super. Est-ce qu'il y a des adresses? Non, alors. Donc du coup. Parce que là j'ai vu que c'était scotché et tout ça. Donc pour ce faire, je vais défaire les scotch, comme ça je suis sûre de ne pas faire de bêtises. Vous voyez ce que je veux dire? Si. Alors, hop. Enfin, sûr. On verra, hein. Alors, là, je peux. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici, là. Voilà, comme ça. Hein. Hop. Oh, alors, ça a l'air beau. Oh là là. Oh, waouh. Oh, waouh. Oh, c'est beau, c'est beau. Oh là là. Oh là là. Oh, oh non, c'est sublime. Oh. Oh là, mais c'est trop beau, hein. Oh là là, oh là là, c'est trop magnifique. Attends, oh là, oh c'est ça. Oh, regardez comme c'est beau. Oh là, c'est trop beau. Alors attendez, parce que vous voyez pas, vous pouvez pas tout voir. Alors là, je vais, il y a des petits, ouais, bah ça, c'est rien. Hein. Faut pas s'inquiéter. D'ailleurs, en plus, c'est trop magnifique. Attendez, 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 attendez. Hein. Parce que là, la fleur, elle était collée à l'enveloppe, hein, donc je pense que là, c'est ça. Là. C'est ça et là c'est ça. Attendez, je réfléchis. Le droit, vous savez. C'est ça et ça. Voilà. Elle a mis des petites doubles faces, vous voyez? Alors, elle a mis des petites doubles faces, voilà. Donc je remets. C'est un cœur, une marguerite, un cœur, une marguerite. Regardez comme c'est magnifique. Oh! Alors attendez, je dézoome. Regardez comme c'est beau. Regardez. Oh! Oh là, oh là là, oh là, c'est à tomber par terre. C'est tellement magnifique. Oh! Regardez. Oh non, mais tu es. Oh non, c'est trop beau. C'est sublime. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau, François. Je suis. Oh, oh là là. Oh. C'est sublime, sublime, sublime. Ouais, si j'ai le droit, excuse-moi pour. C'est pas grave. Oh là, je sais pas quoi dire. Non, je sais pas quoi dire. C'est tellement beau, c'est tellement de travail, c'est tellement joli ce que tu as réalisé. Je suis. Oh là là. Oh là là. Tout en crochet. Regardez-moi ça, cette superbe. C'est magnifique, hein. Et alors, il y a les fleurs, il y a les marguerites, il y a les cœurs, il y a le papillon mauve, c'est le capteur de rêve, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Oh, et puis c'est très beau, hein. C'est très beau. Je sais, je. Ça me touche. Ça me touche énormément parce que. Je sais pas. Ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, ça me touche vraiment beaucoup, beaucoup. C'est magnifique, c'est beau, c'est. Voilà quoi. Je voulais qu'on fasse un truc là, mais. Oh là là. Comment vous dire? Voilà. Voilà. Je suis. Oh, je suis vraiment scotché, c'est vraiment sublime, sublime, c'est vraiment sublime. Voilà, je ne sais pas, je ne sais pas, je m'attendais pas à quelque chose de comme ça. Non, je m'attendais pas à ça. Je vais, faut que j'y trouve sa place et tout. Si. Alors pour l'instant, je vais le mettre là. Voilà, c'est magnifique, 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 magnifique. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, nous avons un nouveau, voilà, 199, Fanfan, hein, tu es 199, hein, d'accord? Enfin, d'accord, de toute façon, t'as pas le choix. Non, tu n'as pas le choix. Ça.
Donc je vais te prendre tout ça. Je suis un petit peu perturbée. Hein. Non, parce que je voulais finir et puis je m'attendais pas à tout ça. Voilà. Hein, non. Vous avez compris. On est à combien de minutes là? Si, 35. Donc, on va quand même le faire. Si. Alors, c'était un petit bonus. Hein, c'était un petit bonus pour vous remercier. Enfin, pour vous remercier. Oui, c'est pour faire joujou. Si. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? Alors, si, merci du fond du cœur. Vous êtes formidable, vous êtes tellement formidable. Alors, donc, voilà ce que on m'avait envoyé. Alors, ça fait longtemps, longtemps, hein, je vous dis pas. Si, ça fait longtemps qu'on m'avait envoyé ça. Alors, on me l'avait envoyé différemment, sur une toute petite feuille. Ok, d'accord. Ce sont des. Voilà, on m'avait envoyé ça. Voilà. Alors, c'est un lutin. Hein. Enfin, moi, je considère. On va dire que c'est un lutin. Je ne sais rien. On disait que c'était un lutin de Noël. Si. Pourquoi? Parce qu'il y avait une petite. Une canne. Pas une canne bière. La canne bière. Tinaninani. Tinaninaninanina. Elle exagère. Et partout, elle est populaire. Notre canne bière. C'est. Non, ouais, je sais pas qui c'est qui connaît ça, mais bon. Donc, c'est une canne à sucre, là. Hein, ou, voilà, une canne à ce qu'on veut. Hein. Pff, bah, pas la femelle du canard, hein, la canne. Hein, ni la canne pour. Ah, bah, la langue française, c'est quelque chose. Hein, si, ni la canne pour marcher. Hein, c'est. Voilà, hein, du sucre canne. Enfin, bref, un truc comme ça, quoi. Si. Alors, donc, elle m'avait envoyé ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous partager ça. Si, je vais vous partager ça. Je vais vous mettre le lien sous cette vidéo, hein, et nous ferons chacun notre petit lutin de Noël. Si, nous ferons notre petit lutin de Noël. Alors, pour ce faire, moi, je vais faire mon petit lutin de Noël avec vous. Si, alors on m'avait envoyé cette magnifique enveloppe, là. Alors, je ne sais plus qui non plus, parce que ce n'est pas signé. Ça, l'inconvénient quand c'est pas signé, c'est que je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Donc, c'est embêtant. Alors, on m'avait envoyé cette magnifique enveloppe et tout ça, très belle. Et je me suis dit, ben tiens, je vais le mettre là, le lutin. Si, et si tu mettais le lutin là, je me suis dit. Si, je me suis dit ça. Donc, pour ce faire. Je ne sais pas si je le mets de ce côté ou de ce côté, le lutin. Non, je ne sais pas encore, mais par contre, il faut le faire. Alors, moi, je me suis avancée un tout petit peu. Bon, je me suis avancée un tout petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je peux utiliser ça parce que je l'ai déjà scanné. Hein. Alors, donc, c'était juste pour vous montrer ce que je partageais. Si, je partage. Alors, c'est le petit lutin. Le petit lutin. Et là, là, là. Alors, je vais prendre de la colle. Hein, et donc, je vais faire le montage du lutin. Alors, ça, il y avait. Alors, ouais, c'est de l'autre côté. C'est le bidon. Alors, attendez. On disait que c'était le bidon. Enfin, c'est le ventre, le corps. Alors, sur le corps, on met la tête. Ok. Moi, je vais déjà le colorier. Hein, si, je vais le coloriser. Alors, le petit lutin, c'est parce que j'ai pris les couleurs de l'enveloppe, moi. Si j'ai pris les couleurs de l'enveloppe, je fais ce que je veux quand même. Non, mais attendez. Et je vais le faire au crayon de couleur. Si, bah, si, je vais le faire au crayon de couleur. Donc, mais vraiment comme ça, un peu à l'arrache, hein, le lutin. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ben, si, le petit lutin. Hop. Donc, je colorise mon petit lutin. Hein, vous ferez le lutin de vos rêves. Hein. Bah si, pour les enfants et tout ça, pour Noël, un petit lutin. Hein. C'est mignon, les petits lutins, j'aime bien, moi. Puis on me l'a envoyé, il fallait bien que je le fasse, le petit défi. C'est un petit défi, hein, je suppose. Hein. Bah si. Alors, je me suis dit, bah, Noël approchant, hein, Noël venant. Je vais prendre ça, je vais le faire de ces couleurs-là. Ça, c'est pour la tête, hein, cette couleur-là. Alors, je lui ferai peut-être les yeux bleus. Le lutin, les yeux bleus, le lutin. Si, et le lutin, et le lutin, pouf, pouf. On disait qu'il était un peu palichon, le lutin. Bah, si, il est un peu palichon, mais c'est pas grave. Il a les oreilles pointues. Si, les oreilles pointues. Il était châtain, on disait qu'il était châtain. Ah non, c'est un peu rouquin, ça. Bah, c'est bien aussi rouquin. On peut le faire rouquin, on fait la couleur qu'on veut. Alors, je vais le faire plutôt brun, hein, le petit gars. On disait qu'il était plutôt brun. Bon, moi, j'aime bien, voilà, brun, blond. Vous faites la couleur que vous voulez. Hein. Vous pouvez même lui faire des cheveux de couleur bleue, hein, verte, jaune, rouge. Vous faites les cheveux de votre couleur, de la couleur de vos rêves. Hein. Voilà. C'est des cheveux, ça, ou c'est des. Bon, on disait que c'était des cheveux. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il est magnifique, mon lutin. Si. Alors, le petit lutin, il avait un petit peu le nez rouge. Moi aussi, il avait le nez rouge. Bon, si, je fais ce que je veux, de toute façon, j'ai dit.
On dirait plutôt un clown qu'un lutin, mais bon, c'est pas bien grave. Et puis on lui fait les yeux bleus aussi, les yeux bleus, le lutin, oui, le lutin, les yeux bleus, il a les yeux bleus, il a les yeux bleus. On dirait un clown. Il est très beau, on dirait Pinocchio aussi. Alors, on fait ça, hein, on colorise ce petit lutin. On va faire donc le petit bonnet qui va avec la robe, hein, voici, hein. Donc on fait hop hop hop. Qu'est-ce que je colorise bien? C'est des crayons de couleur bah, chez Action hein, d'ailleurs. Hein. C'est des crayons de couleur de chez Action. Et c'est des crayons de couleur aquarellables. Vous savez, hop, enfin vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais c'est bien, vous colorisez, puis après vous mettez de l'eau. Hein. Enfin, moi je fais dans ce sens-là. Ouais, je fais ça. Et puis après, bah, ça estompe et tout ça. Ça fait. Bon, moi après, je prends un. Là, dans ce cas-là, comme c'est pas du papier aquarellable, c'est du papier feuille A4. Hein. Dans ce cas-là, je vais, comment dirais-je, je vais avec le crayon blanc estomper. Hein. Comme ça, on verra plus les traces de crayon. Non, on ne verra plus les traces de crayon, bien sûr. Là, je fais, on dirait que je fais n'importe quoi, mais non, c'est pas n'importe quoi. Hein. Bien sûr que non, jamais. Hein. Non, jamais. Non, jamais. Et là, je vais faire ses souliers. Hein. Rouge et jaune, rouge et jaune à petits pois. Et des chaussettes, rouge et jaune à petits pois. Je fais ce que je veux, vous savez. Je peux très bien faire des chaussettes rouges et jaunes à petits pois, hein, c'est mon droit. Alors ça, je vais mettre des sabots d'ondaine. Comme ceci, hein. Voilà. Ah si, on m'a envoyé ce défi, il faut bien que je le fasse, hein. Ben si. Ben si. Je vais faire des chaussettes rouges et vertes. Hein, moi aussi, j'ai un goût. Hein, moi aussi, j'ai un goût certain. J'ai des super bons goûts. Pour les vêtements, moi, je... Ah, si, je suis une vraie styliste. Hein. Ah, si, bon, regardez comme c'est beau. Ah, si, c'est très, très beau. Hein. Tout le monde rêverait d'avoir des... Ah, si. Alors, ah, puis, il y a la deux. Ah, puis, il y a deux pieds. Hein. Il y a deux pieds. La fille qui adore faire les coloriages. Si, si, j'adore. Oh là là, j'adore. Ah non, c'est pas le bon, pas la bonne couleur. Bon, on disait que... Voilà, on disait que j'avais un peu raté la chaussure. Bon, c'est pas très grave. Oh là là. On va pas en faire une comédie, là. Alors. Voilà, hop. Ensuite, ben, on va faire... hop, hein, donc rouge et jaune, hein, rouge et vert. Si ça fait Noël comme ça, rouge et vert. Hein, mais si ça fait Noël, hop, 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 on faisait ça, on faisait ça. Il est où le vert foncé? Il y a trois crayons sur machin, j'ai déjà perdu. Hein. Alors, hop, 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 on fait comme ça. Hein. Voilà, magnifique, ils sont superbes. Voilà, pouf, pouf, on fait ça, on fait ça. Ensuite, les collerettes, là, espèce de collerette, là. Je vous dis, c'est un clown, ça? Oui, c'est pareil. Alors, je vais faire rouge, comme le nez, assorti au nez. Il boit du pinard. Pinard, c'est obligatoire. C'était Coluche qui disait ça. Vous vous souvenez, hein? Si. Alors, hop, un petit col rouge, comme ça, tout mignon, mignon. Si, c'était tout mignon. Oh là là. Comme ça, regardez, c'est beau. Hein? Si, c'est très, très beau. Et alors, je vais faire le bas de la robe, pareil. Hein? Hop, on fait ça. Et les chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et les chaussettes rouges et vertes à tina. Hop, hein, bon. On finalisera tout ça plus tard. Hein. Oui, oh, c'est pas bien grave. Là, je vais mettre là, ça, je vais mettre là. C'est comme ça que ça va? Je ne sais pas. Bon, on disait que ça allait comme ça. Hein. Ça, c'est quoi ici, là? Eh bien, alors, donc, là, nous avons... Ah, c'est la robe. Alors, je vais mettre le bas des manches rouge. Ah, c'est des gants, ça. C'est des gants. Si, c'est des gants. Alors, on va faire des gants rouges. Les moufles, c'est des moufles. On va faire les petites moufles rouges. Il est où l'autre? C'est toi. Les petites moufles rouges. Voilà. Vous avez vu, c'est magnifique. Il est magnifique, magnifique, magnifique. Il fait rêver, hein, mon lutin. Il fait très rêver. On fait ça. On fait donc le... Attendez, je me rappelle plus, c'est cette couleur-là. Ouais, voilà. Ça va très bien ensemble, hein, le orange et le rouge. Deux couleurs qui s'accordent magnifiquement bien. Toutes les couleurs vont ensemble, vous savez. Si. Voilà. Hop, comme ceci. Comme cela. Voilà.
Voilà. Et puis, qu'est-ce qui me manque? La canne, là? Si, la canne à sucre. Si. La canne à sucre. Alors, je vais faire le nœud. C'est rien. Je vais faire la canne. Ben, la canne rouge et blanche, là. Ça, hop, comme ceci. Hein. Voilà. Le petit nœud qui va bien. Je vais le faire vert, le petit nœud. Voilà, magnifique. Ah si, c'est très très joli, hein. Ah si, il est très beau mon lutin. Et puis maintenant, je vais faire les collages. Alors, j'assemble tout ceci. Alors, parce que je n'ai pas fini. Hein. Oula, non, ça va être magnifique, magnifique. C'est ça. Alors, donc là, ici en bas du corps, vous faites le lutin de vos rêves. Hein. C'est pas la peine de me copier. Hein. Non, on ne copie pas sur les autres. Hein. On fait son lutin. Ne copiez pas sur le mien. Hein. Il n'y a pas intérêt. Hein. Non. J'ai horreur qu'on me copie dessus. C'est ça. C'est tellement magnifique ce que je fais. Je comprends que vous vouliez copier, mais bon, hein, non. Copiez pas, puis c'est tout. Oh là là. Alors, non, c'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Hein. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. On dirait un œuf de porc, le machin. On disait que c'était bien. Ah, oh là, il est beau. Il est beau. Ensuite, on y met des bras. On y met des bras tout de suite. Hein. Ah, ils sont où les bras? Je sais pas. On les met là? Non, attends, on met la tête là. On peut mettre les pieds où on veut. Il a un peu les jambes arquées. Ouais, c'est pas bien grave. Oh là là. Alors là, je vais mettre donc la tête. Et les chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et les chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Oh, il est sublime. Si, il est très mignon. Là, je vais mettre les bras à ce niveau-là, à peu près. Hein. Je sais pas. Ouais. Je suis pas très douée, moi. Hein. Pour non, je ne suis pas très douée. On va mettre les bras comme ceci, tout mignon, mignon. Si, c'était tout mignon, mignon. Alors, il écarte les bras ou il les resserre? On disait qu'il les resserrait. Bon, si. Bon, si, il resserre les bras comme ceci, comme cela. Il est magnifique. Magnifique ce lutin. Comme ça. Regardez, il est beau, hein? Regardez comme il est beau. Si, il était tout mignon. C'est un petit Pinocchio. Et alors, donc, qu'est-ce que je vais faire? Il n'est pas fini. Non, il n'est pas fini. Là, je vais le coller directement sur ma magnifique enveloppe. J'aime bien parce qu'elle m'a fait une magnifique enveloppe. Je suis en train de la saccager avec mon lutin. Mais non, il est très beau, mon lutin. Oh, ça va. Il va très bien là, regardez. Voilà, comme ceci. Je sais pas qui va recevoir cette magnifique. Ah, si, parce que c'est pas pour moi. Hein. Ah non. Ah non, jamais de la vie. C'est pas pour moi. Je ne fais pas les choses pour moi, vous savez. Donc je mets hop là comme ceci. Bon, les chaussures, là, je les ai un peu foirées. Bon, on disait que. Donc là, voilà. Ah, ben, il tient la route avec ses pieds. Donc voilà. La petite canne. On disait qu'il tenait la canne dans sa main. Hein. Alors, soit il la tient comme ça pour marcher. Oh non, oh, ça va. Je veux dire il la tient comme ça, là. Hop, il a une petite canne comme ceci. Voilà. Regardez comme il était tout mignon. Si, il était tout mignon. Ah, vous dites c'est mignon, hein, parce qu'après sinon je vais pleurer. Ah, si, bah si, c'est beau. Allez, hop. Et puis, il me faut. Ah, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Vous voyez bien que les pompons de ses chaussures, ils sont pas. Non. Alors, on va mettre des pompons. Si, on va mettre des pompons au bout du bonnet et sur les chaussures. Bah, c'est mon droit. Alors, je vais assortir ça. Je mets des petits pompons verts. Ou un petit pompon orange. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, je ne sais pas. Des oranges ou des verts? Je regarde, j'essaye. J'essaie. Ah si, j'essaie. Des verts ou des oranges? Ah, les oranges, c'est beaucoup plus joli. Hein. Beaucoup plus joli. Hein. Ah oui. Et hop, je mets des pompons oranges. Allez, pour ce faire, je fais hop, comme ceci. Un petit pompon là pour les chaussures. Ensuite, un petit pompon là, comme ceci. Voilà. Oh là là, très très beau. Et un assorti au bout du bonnet. Et voilà. Et voilà, défi relevé. Si, défi relevé. Hein, et vous dites que c'est très beau. Bon, là, j'ai un peu. Mais c'est pas grave. C'est possible que je mette des chaussures. Je lui mettrai peut-être des chaussures noires. Et voilà. Voilà. Alors, si vous arrivez à faire mieux. Bah, écoutez. Ça va pas être facile de faire mieux. Hein. Non, ça va pas être facile. Mais bon. Hein. Voilà. J'espère que le défi est relevé. Hein. Je nettoie un peu. Voilà. Si,
pour envoyer les cadeaux des Scrapidou mercredi prochain. Hein, vous allez recevoir cette magnifique enveloppe. Magnifique. Si. Enfin, l'enveloppe est magnifique. Après, le lutin, bon, c'est autre chose. Bon, ben voilà, c'était juste pour passer 5 minutes comme ça ensemble. Enfin, 10 minutes, ça, combien j'ai mis de temps? C'était un petit défi, 10 minutes. Si? Vite fait, hein. Merci du fond du cœur, Fanfan. Merci à vous tous. Merci, merci. Passez un très beau dimanche, hein. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve très vite. À bientôt.